Ok, c'est quoi ça? Une brème. C'est surtout attiré de ce passant là, quoi. Putain, m'a tiré, il s'est fait un rude. Tu peux me passer ton épinette? C'est bien en plus, toi on va au départ après ton vieux. Tu m'étonnes. Ah, si tu veux commenter, tu peux t'éfilmer. Bon, on est en vidéo là. Ah, bah, faut pas la casser celle-là. Ah non, faut pas la casser celle-là. Je vais d'ailleurs vous tirer, rapprocher les pilotes. On départ, une sortie. Là, j'y croyais même plus. Je vais dire, on va deux fois promener, je vais mettre au bord. Oui, c'est pas grave. C'est pour prendre une photo à la base. Ah. Et ça, vous êtes Je vais les dire. Je vais les changer, je vais la mettre dans l'eau. Elle a plus chance, c'est de merde. Ça aille bien la team Carpamille. Oh, oh, c'est très calme. Tu veux que j'enlève ma ligne? La poupe a vu que j'ai un peu. Elle a une arrachée. Normalement, ça va bien rentrer. Je pense qu'elle est énorme. Je pense qu'elle va faire 7 kilos. C'est vraiment. Même pas, c'est un bébé. Regarde, elle est là-haut. La voix. Une vraie torpille. Une fusée. Miroir. Oh, c'est une belle alors. Elle est géniale. Allez ma fille, je te relâche, un bisou, une photo et on rentre là. Bon, pas de bisous si tu veux. Doucement ma fille. Comment avoir des crampes au bras? Mmh.
plus dur. C'est plus costaud, j'aurais dû ramener. C'est pas moi! Non, je veux pas. Hein. Je vois l'épuisette. Allez, allez, je vais dans la boîte. Elle a envie de partir, ça se voit. Ah, tant mieux. C'est le but. Il est pris une douche. Après la première. Qu'est-ce que tu en penses, plus gros, plus petit? Plus de puissance. Donc soit les plus grosses, soit ça peut jouer sur le fait que c'est une commune plus longue, plus fusée, plus difforme. C'est une torpille pour moi. C'est soit un miroir de 10 kg, soit une commune de 7 kg. Pour moi, c'est une commune. Après, je peux me tromper. Ça peut être une grosse une miroir un peu plus grosse. Avant, en profondeur, au lieu de partir en. Au lieu de prendre de la longueur. Ouais. Une commune. 97% sûr que c'est une commune. J'ai pas encore vu. Mais... Elle est moins lourde mais plus puissante. En tout cas, elle a l'air de vouloir torpiller vers le fond. Hein. En plus, tu venais de le resserrer, quoi. Oh mon Dieu, je vais enlever ma canne, non? Ah, j'ai pas le choix pour se brider. Oh, elle va dans les autres, la salope. T'as réussi? Elle est où? Merde. Elle a tombé dans l'herbier.
Pour le sport. Challenge. J'ai dit que la pêche n'est pas du sport. Franchement, rien à dire sur le combat là. Il est magnifique. Hein. J'espère belle surprise au bout. J'espère aussi. Un beau poisson trophée là. J'ai envie de voir une coye. Oh, mais c'est pas une coye, c'est une commune pour moi. C'est le combat d'une commune ça. C'est le combat d'une belle commune de Tarlonde. Une grosse torpille. Oh, une torpille de 6 kilos. Je vais récupérer les puisettes. Décroché. Oh. Coucou la team. Donc bilan de la journée. Départ phénoménal au bout d'une heure et demie. Un très gros départ. Qui a cassé au bout de 40 secondes. Alors, m'a pris 50 mètres et ça a cassé. Donc, je sais pas, sûrement une pierre qui a coupé, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, le came plat. Vers 2h de l'après-midi, je sors une brème de 35 cm environ. Vous la verrez en photo. Et ensuite, je sors une belle carpe une demi-heure après, de 7,4 kg. Voilà. Donc, assez content, un peu déçu pour le rater. Et une heure après départ, une belle commune qui m'a mis en roche de dingue. Donc le problème c'est qu'elle partait sur la droite, donc il fallait passer sous une canne, puis après sous l'autre canne. Bon, j'ai dû faire Koh-Lanta, j'ai eu le parcours du combattant et tout. J'ai laissé un peu de mou, paf, ça s'est décroché. Donc l'erreur fatale. Donc voilà. Donc voilà. Voilà le bilan, donc deux poissons sortis sur quatre. Sinon, sortie de frais, donc doucement, doucement mais sûrement, mais sortie de frais, sympathique. Voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je voulais faire une petite dédicace. Une dédicace à ma petite femme chérie qui m'a autorisé à aller à la pêche aujourd'hui, jour de fête de père. Toute la journée, c'est rare, d'habitude c'est le matin, l'après-midi, mais là toute la journée. Et il est 4h49, donc voilà. Je voulais la remercier. Là, c'est que c'est difficile pour moi la fête des pères, du fait que mon fils est loin, il a 6 heures de route d'ici. Mais j'ai pas trop de nouvelles. Donc voilà. Donc je remercie ma petite femme. Et je lui fais de gros 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 bisous. En plus, elle s'est blessée à la cheville, donc c'est pas évident. Donc voilà. Un gros bisou à ma petite femme. Et je vous fais un bisou à tout le monde. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et voilà. Et bonne pêche pour les prochaines sorties. Bisous.